L'homme bénéficie d'un cosmos qui l'inonde en permanence de stimulations nécessaires à son existence. Les produits de la Terre ne suffisent pas à le maintenir en vie. Il a besoin d'autres sources d'énergie. Parmi ces champs énergétiques variés qui l'activent et l'animent, le son en est un essentiel. Nous ne pouvons pas davantage nous passer de son que de la lumière, par exemple. Les sons représentent en effet l'une des nourritures du cerveau, assurant son bon fonctionnement. Encore faut-il définir ce qu'est un son, et nous allons le rappeler. L'origine des sons est, semble-t-il, le bruissement continu provoqué par l'agitation incessante des molécules. C'est là une sorte de trame des sons que nous ne pouvons en principe pas entendre. Cette agitation permanente est appelée mouvement brownien. Vous en voyez ici un modèle filmé au microscope. Notre oreille perçoit un son lorsqu'une impulsion, soit un changement de pression, modifie de manière sensible cette agitation moléculaire. D'une façon générale, la matière tend à amortir cette rupture d'équilibre. Mais il arrive qu'elle soit tellement violente qu'elle casse la matière. Cette rupture d'équilibre forme une vibration, une onde. Elle est caractérisée par sa fréquence, basse ou haute. Les sons graves provoquent peu d'ébranlement du milieu, on mesure donc peu de fréquences par seconde. Les sons aigus, en revanche, déterminent une multitude d'ébranlements. On peut calculer alors de nombreuses fréquences par seconde. En d'autres termes, plus le son monte, plus le nombre des fréquences augmente. Le son pur que nous entendons en ce moment est un objet de laboratoire. Dans la nature, les sons sont dits complexes, leur timbre est fonction de leurs composants. Il existe en outre des milieux plus ou moins sonores. Ce phénomène de réverbération est lié, si l'on est à l'intérieur, à la nature des parois qui nous entourent. Elles absorbent ou au contraire renvoient les sons. On peut même trouver des endroits morts acoustiquement. Si l'on place par exemple un chanteur dans une chambre sourde, sa voix, si belle soit-elle, paraît faible et sans timbre. Bravo, signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero e a vedere schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero. Eh bien, ici, nous avons la chance d'être dans un violoncelle, pratiquement, puisque le fait de parler tout fait chanter toutes les parois. Et en plus, la structure est telle que tout a été étudié pour que sur le plan acoustique, tout s'éveille. Alors que si on entre dans une chambre sourde, eh bien, il n'y a plus, à un moment donné, il faut faire un effort considérable. Et la contraction n'est plus la même. C'est-à-dire que nous ne vivons pas. Et la chance de vivre dans un milieu réverbérant comme celui-ci, premièrement, notre centre de gravité change. On a l'impression d'être happé en hauteur. C'est le propre des cathédrales, c'est de changer notre centre de gravité et nous donner, à un moment donné, une sorte d'appel de verticalité beaucoup plus grand par le son qui est appelé en partie haute. Quelle est l'influence d'un milieu réverbérant sur l'être humain? Il est considérable parce qu'il donne des stimulations dont nous avons besoin pour que le cerveau puisse avoir toujours son appel dans sa fonction de créativité et d'éveil, donc d'appel à la conscience. Tandis qu'un milieu qui, lui, serait un inverse, qui donnerait de plus en plus une déprivation sensorielle, arrive à nous induire jusqu'à un état de non-créativité, pratiquement de démolition de structures, jusqu'à un moment donné à rentrer dans un état dépressif qui peut aller jusqu'au suicide. Y a-t-il des choses qu'il faut éviter chez soi? Eh bien, se souvenir que le son est nécessaire, au moins autant que l'alimentation que l'on prend, et en tout cas ne pas s'amuser à feutrer partout comme on le fait maintenant, vouloir vivre dans des milieux ouatés, et sur le plan peut-être analytique, c'est un appel à un cocon que l'on cherche, mais on a oublié que le premier cocon, en tout cas le ventre dans lequel on a vécu, était particulièrement sonore. Il ressemblait plus à l'ambiance que nous sommes en train d'entendre ici qu'à ce que l'on croit, à un moment donné, trouver en se mettant la tête dans du coton. Depuis 1945, le professeur Tomatis, otorhinolaryngologue, chirurgien, a consacré sa vie, en France tout d'abord, à des recherches sur l'audition, puis le langage et la communication. S'il suscite encore des réticences en Europe, ses théories et leurs applications sont largement diffusées au Canada, à l'université d'Ottawa par exemple, où il a travaillé 10 ans, à Montréal ainsi qu'à Toronto. Des centres où sont appliquées ces recherches vont s'ouvrir aux États-Unis. Il en existe déjà un certain nombre en Europe. Nous l'avons rencontré au pied de l'abbaye du Bec-et-Loin, en Normandie, un village où il aime à se retirer. Ce sont ses propres théories et leurs applications que nous allons vous proposer.
Le chercheur a mis en évidence avant tout la relation existant entre l'oreille et le psychisme et mis au point une cure destinée à rééduquer l'appareil auditif. Professeur Tomatis, comment avez-vous commencé vos recherches? On pourrait la résumer sur plusieurs plans. Premièrement, je suis otorhino-laryngologiste et sans doute cela m'a orienté d'emblée vers l'audition. Deuxièmement, étant un ancien de l'armée de l'air, j'ai été plongé, par chance, dans les laboratoires de physiologie acoustique de l'armée que j'ai dirigé ensuite pendant une quinzaine d'années, et ce qui m'a donné l'opportunité de voir en masse des gens travaillant dans le bruit, et cela à partir de 1944. Un troisième élément vient du fait que je suis fils de chanteur et qu'en parallèle, je me suis donc installé dès 1947, et là j'ai eu même 46. J'ai eu à voir énormément de chanteurs, des amis de mon père, qui pensaient que je devais être le spécialiste de la question, puisque mon père chantait, je devais savoir beaucoup de choses sur le chant, ce qui n'était d'ailleurs pas vrai. Les deux premiers que j'ai vus, dont un qui était un chanteur mondial, et qui a fait le tour du monde, qui m'a porté sur un plateau un diagnostic extraordinaire que je ne pouvais pas réfuter, parce qu'il venait du plus grand, qui était Trochels à l'époque, qui était le grand phoniatre. Et ce sujet venait me montrer son larynx, il chantait faux, pas d'un certain niveau. Et Rochelle savait penser, à juste titre, en tout cas en fonction des connaissances de l'époque, que chanter faux, ça voulait simplement dire avoir des cordes désaccordées, comme des cordes de violon. Et il a essayé de lui donner des toniques au niveau du larynx. J'ai fait pareil. Et puis, étant le jeune qui démarrait, le diagnostic de Frochel, c'était tout cuit, et je pensais que je pouvais me lancer là-dedans. Et je raisonnais faux, autant que Frochel, à l'époque, et sans doute, parce que s'il chantait faux à partir d'un certain niveau, c'était à partir de mi bémol qu'il commençait à chanter faux, il faisait un phénomène de compression jusqu'au le naturel, c'est-à-dire qu'il faisait toujours la même note sans s'en rendre compte, il le savait. Ce qui n'empêchait pas de chanter bien, d'ailleurs. S'il avait chanté faux à partir de ce niveau-là, et si vraiment les cordes étaient désaccordées, il aurait dû chanter faux sur toute la lignée. Mais enfin, je m'engageais dans le même système, et moi aussi, je donnais des thérapies qui pouvaient tendre des cordes, notamment de la strychnine, et j'allais de si bon cœur que, voyant qu'il chantait toujours faux malgré la signe que je lui donnais, j'ai pu en donner des quantités assez massives pour qu'il soit gêné à un moment donné, jusqu'à presque s'étrangler sur scène, mais chanter faux tout le temps. Et cet indice, ça m'est arrivé donc deux fois, a fini par me frapper et me faire penser que le larynx n'était sûrement pas l'élément qui faisait chanter faux, puisque mon larynx était hyper tendu et que mes gens chantaient toujours faux. Et c'est là où il y a toujours quelque chose qui apparaît et qui semble être toujours du hasard, ou de réflexion, une synthèse qui se fait dans un cerveau qui marche tout seul. Toujours est-il qu'à un moment donné, le rapprochement était le suivant, c'est que je faisais des audiométries à longueur de journée, je pensais plus à oreille qu'au reste, et j'ai eu l'idée de faire, peut-être pour me donner une contenance vis-à-vis des gens, j'ai eu l'idée de faire, à un moment donné, des examens audiométriques de mes sujets qui chantaient. Et là, j'ai... Vous faisiez passer aux ouvriers dans les arsenaux. Oui, exactement, le même. Et j'ai été stupéfait de voir qu'au fond, ces gens présentaient une même courbe de dommages, de lésions auditives que mes gens qui étaient plongés dans le bruit depuis longtemps. Et la conclusion que j'en tirais, c'est que les chanteurs cassaient leur propre oreille avec la voix qu'ils faisaient. Et partant de là, j'ai eu aussi l'idée de voir, avec ce trou énorme qu'il y avait dans l'oreille, effectivement, quand on plonge une oreille dans le bruit, elle fait une lésion. Cette lésion est toujours au même endroit, dans les aigus, où elle commence à un point bien spécifique, qui est le 4000 Hz, pour le nom spécialisé, le 4000 Hz, c'est un ut au-dessus de l'ut de la flûte. Donc, sur le plan de la communication habituelle, on ne s'en rend pas compte. On peut très bien avoir une lésion à 4000 et vivre tranquillement. Mais malheureusement, cette lésion augmente. Elle va en s'élargissant. Elle gagne les aigus et les graves. Et à un moment donné, quand elle touche au-dessous de 2000 Hz, des ennuis commencent à apparaître. Le sujet entend mais ne comprend plus. Ça s'appelle une sourdité professionnelle. Eh bien, les chanteurs font une sourdité professionnelle. Ce qui m'intéressait, c'était de voir le rapport, si on pouvait augmenter, toucher en touchant cette sourdité professionnelle, si on pouvait changer la voix des sujets ou pas. Et à l'époque, vers 1946-47, j'ai essayé de fabriquer des filtres. Ça n'existait pas, maintenant en électronique tout ça est banal, mais à l'époque c'était difficile de l'élaborer. J'ai fait des filtres, c'est-à-dire des appareils, et qui au lieu de filtrer la lumière, filtrent le son.
et qui me permettait de savoir que je pouvais faire entendre des sujets dans telle tranche ou telle autre tranche de son que je voulais, comme si on voulait supprimer le rouge d'une vision, ou le bleu, ou le vert. Et en introduisant chez des grands chanteurs qui avaient de bonnes voix les mêmes filtres, par exemple, que la lésion que j'avais observée chez mes chanteurs au départ, je les voyais chanter faux, je les voyais chanter mal, je les voyais ne plus chanter, enfin, j'arrivais donc à changer complètement leur mécanique de réponse. Et là, l'oreille, pour moi, a pris une dimension colossale. J'ai vu qu'on chantait avec son oreille, non pas avec son larynx, le larynx faisant ce qu'il pouvait, s'adaptant. Bravo, signor padrone, ora incomincio a capire il mistero. E avete spietto tutto il vostro progetto. All'ombra è vero, voi ministro, io corriero, e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, Figaro il dice. Autre découverte du professeur Tomatis, qu'il fit à peu près à la même époque, les deux oreilles ne sont pas mises à contribution de la même manière. Le contrôle de l'écoute n'est fait que par une seule oreille, et c'est la droite, du moins devrait-il en être ainsi, selon le professeur Tomatis. Ce déséquilibre nécessaire entre les deux oreilles est tel que si l'on empêche peu à peu, par une injection de bruit quelconque, un chanteur d'entendre à droite, sa voix progressivement perd de son timbre, de son volume et même de sa justesse. Écoutez bien ce qui va arriver à notre chanteur au bout de quelques secondes. Se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Parallèlement à ce contrôle par l'oreille droite, on peut observer chez notre chanteur qu'il utilise avant tout la partie droite du visage. C'est toute la musculature de sa bouche qui tire vers la droite. Signor padrone, ora incomincio a capire il mistero, e avete spietto tutto il vostro progetto. All'ombra è vero, voi ministro, io corriero, e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, Figaro il dice. On remarque en même temps que la bouche du chanteur passe de la droite vers la gauche au fur et à mesure qu'on lui assourdit l'oreille droite, c'est-à-dire au moment où il est obligé de contrôler sa voix avec l'oreille gauche. Se vuol ballare, signor contino, se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Quand on regarde les trajets qui vont conduire ce son depuis l'oreille jusqu'au cerveau, et ensuite retournant dans le larynx pour être contrôlé, eh bien le chemin droit est beaucoup beaucoup plus court. Et si on passe par le côté gauche, l'allongement vient de plusieurs faits. Et si on étudie les temps qu'il faut pour que tout ça se passe, on se rend compte que le chemin gauche est 100 à 200 fois plus long dans les temps que le côté droit. Tout comme nous avons deux yeux, deux oreilles, deux narines, la bouche, la langue et le larynx sont également divisés en deux et se trouvent sous le contrôle de deux groupes de nerfs différents, à gauche ou à droite. En outre, les deux hémisphères du cerveau ont chacun une fonction différente. Tout ce qui concerne l'audition est analysé dans une aire située à l'extérieur de l'hémisphère gauche. Comme les connexions nerveuses sont croisées, c'est donc l'oreille droite qui est utilisée directement et par le chemin le plus court. Il en va de même pour le contrôle de la partie droite de la bouche et du larynx par le nerf récurrent qui passe sous l'artère sous-clavière. Si l'oreille droite est abandonnée au profit de l'oreille gauche, le chemin va s'allonger considérablement. À droite, le cerveau ne comporte aucune zone prévue pour l'analyse des sons. Il va donc renvoyer la formation à gauche. Et si de plus la commande est envoyée au larynx gauche,
Le chemin s'allonge de 40 à 60 cm car le récurrent gauche passe sous la aorte. Le premier travail de l'enfant, avant même d'apprendre à parler, va être de coordonner les deux parties de son corps, dont la symétrie n'est qu'apparente, et de diriger progressivement son écoute avec son oreille droite. Et c'est pour cette raison que le nourrisson commence toujours par dire des choses en bisyllabique. Papa, pipi, popo. Il ne le fait pas comme je vous le dis. Ça m'écoute bien, ça me rend bien attentif. Il dit papa, pipi, popo, en aigu, l'autre grave. Ou alors papa, pipi, popo, en fonction du larynx gauche ou du larynx droit qui démarre le premier. Et à quel âge se met en place l'écoute par l'oreille droite? Dès l'instant où va s'introduire la communication. Et si on a la chance de prendre l'oreille droite, il n'y a pas de problème, ça va tout seul. Et pour peu qu'il y ait quelques problèmes, et ces problèmes sont toujours des non-rencontres, des choses qui ne se font pas, des erreurs de départ, la personne qui était là qu'on avait rencontrée, qui est en règle, l'autre que la mère, ne se faisant pas, eh bien, on risque de voir l'enfant basculer, passer du côté gauche. Le côté gauche donne un avantage. C'est que le chemin étant plus long, il donne aussi l'impression de mettre l'autre à une certaine distance, une sorte de protection, une sorte de fuite. Et si on s'amuse à calculer, je disais, le temps, mais le son évoluant dans l'espace, en fonction du temps, va nous donner aussi des distances. Être droitier d'oreille, c'est s'écouter. Et écouter l'autre, comme si on était collé à lui, avec des distances qui sont de l'ordre de 30 à 60 cm. Si on met l'oreille gauche, on se distancie facilement comme si on était entre 70 et 140 mètres. Donc la différence est absolument colossale. Ce n'est pas désagréable de mettre loin l'autre. On a créé donc une sorte de défense. Je prends un exemple un peu brutal. Un père peut brailler tant qu'il veut, et l'enfant se met à 140 mètres. Et le père a l'impression de faire tout ce qu'il veut, l'autre a l'air d'être protégé. L'inconvénient, c'est que si on ne sait pas rebasculer, ensuite passer sur l'oreille droite, eh bien, quand on voudra rentrer en communication avec soi-même, on s'en trouve gêné, car à un moment donné, on est perdu, on ne trouve pas l'image de son instrument. Ça serait vouloir avoir, peut-être comme pour conduire un cheval. Si on a des rênes de 30 à 60 cm, on est maître du cheval. Si on a des rênes de 140 mètres, c'est le cheval qui conduit. Anatomiquement, rappelons-le, l'oreille comporte trois étages. Le premier, l'oreille externe, avec tout d'abord le pavillon, seul élément visible de l'oreille, et dont la forme permet déjà un rôle d'amplification et de filtrage. C'est un ensemble de cartilages, de muscles et de ligaments. Du pavillon part le conduit auditif externe, fermé au fond par une membrane à gauche de l'image, qui joue un rôle très important dans la fonction d'écoute, et c'est le tympan. Et maintenant, si l'on traverse le tympan, on débouche sur l'oreille dite moyenne, nommée caisse du tympan, et où l'on va rencontrer trois osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Cette chaîne des osselets représente un système essentiel, selon le professeur Tomatis, dans le réglage et l'adaptation des sons. Les trois osselets débouchent enfin sur le dernier étage, le plus profond et le plus complexe, l'oreille interne, nommée labyrinthe. C'est un appareil comportant à droite de l'image un centre contrôlant l'équilibre, ainsi que, à gauche sur votre écran, la cochlée, qui est l'instrument d'analyse des sons et de recharge énergétique. C'est une sorte de coque remplie de liquide et tapissée de cellules sensorielles. On en observe déjà une ébauche très primitive avec l'hydroméduse, un organisme très simple, et chez qui l'on remarque un nerf latéral. Ce nerf est équipé de 8 centres, qui sont 8 centrales énergétiques, et qui fonctionnent sous l'action du courant de l'eau. Au cours de l'évolution des espèces, ce système, tout en restant fondamentalement le même, va se perfectionner et s'adjoindre un appareil d'orientation. Chez certains poissons, comme la roussette, à son nerf latéral s'ajoute le tube latéral. C'est un tube creux qui part de l'œil et entoure le poisson. On le retrouve de chaque côté de l'animal. Ce tube creux est rempli d'eau car il est pourvu d'ouvertures lui permettant d'être en communication avec le milieu extérieur, c'est-à-dire l'eau. Ce tube fonctionne comme un générateur d'énergie, énergie qui va être distribuée sous forme d'impulsions nerveuses, permettant ainsi au poisson de bouger. Vu depuis dessus, le tube latéral percé d'orifice. Il est doublé par un nerf appelé nerf latéral. Pour fonctionner comme générateur d'énergie, ce tube latéral, qui est donc rempli d'eau, est tapissé de cellules sensorielles appelées aussi cellules ciliées.
Ce sont des cellules garnies de cils et disposées en petites touffes. Et c'est l'eau qui, passant dans le tube, fait vibrer les cils à de très hautes fréquences. Les stimulations ainsi provoquées sont alors transmises au nerf latéral qui les convertit à son tour en impulsion nerveuse. Ce même tube latéral répond à une deuxième fonction. Si l'agitation des cils provoque de l'énergie nerveuse, l'angle que ces cils forment avec la surface du tube varie selon les déplacements du poisson. Les mouvements de ces cils permettent ainsi au poisson de connaître la nature de ses déplacements et la force du courant. Il ressent par exemple s'il descend ou s'il monte vers la surface. Dans la chaîne de l'évolution, et chez certains poissons déjà, la ligne latérale va se contracter et se refermer pour devenir la vésicule otolithique. Premier avantage, en supprimant toute la longueur de la colonne d'eau, on supprime aussi le facteur d'inertie qu'elle représentait. Cette vésicule otolithique travaille exactement comme l'ancien tube latéral avec des cellules ciliées plongées dans un milieu liquide. Ainsi que la ligne latérale, la vésicule otolithique est sensible aux variations de déplacement de liquide qui sont désormais à l'intérieur. Pour augmenter cette sensibilité, elle s'adjoint à une petite masse calcaire, sorte de caillou. Et chaque fois que l'animal tourne la tête, change de position, il fait bouger les liquides et cette masse, générant ainsi de l'énergie et mesurant en quelque sorte ses déplacements. La vie aquatique ne posait pratiquement pas de problème de pesanteur. Mais dès que l'animal va sortir de l'eau pour s'engager dans la vie aérienne, il lui faut complexifier son appareil afin de répondre à des besoins énergétiques accrus et afin de contrôler désormais de mieux en mieux sa verticalité. À en juger par la démarche de l'évolution, la posture verticale constituerait pour l'instant le stade le plus économique sur le plan des dépenses vitales et le plus rentable en production énergétique. Chez le serpent, par exemple, la vésicule otolithique se complexifie et se diversifie en un saccule chargé de contrôler la verticalité et en un utricule qui veille à l'horizontalité de l'animal. À l'utricule s'ajoute une ébauche de canaux semi-circulaires dont le rôle va être de contrôler les mouvements giratoires. Même si l'appareil se complexifie, son rôle reste fondamentalement le même, engendrer de l'énergie et contrôler les mouvements. Les matériaux utilisés n'ont pas changé, des cellules ciliées bougeant dans du liquide. Lorsque s'ébauche chez certains animaux une nouvelle adjonction, nommée lagena, on peut observer que certains d'entre eux redressent sensiblement la tête. Cette lagena est développée au maximum chez les oiseaux, chez qui l'on rencontre une ébauche d'oreille moyenne. À la lagena va succéder la cochlée. La cochlée, dont la présence va déterminer la verticalité, est également l'instrument spécifique d'analyse des sons. Ce sont ces différents éléments qui forment chez l'homme le labyrinthe, c'est-à-dire l'oreille interne. C'est un générateur d'énergie et permet également de contrôler tous les mouvements du corps. Bien sûr que l'oreille toute seule ne servirait à rien. Elle va être enfermée dans une coque qui va fabriquer ce qu'on appelle le labyrinthe osseux, mais émergent de là des nerfs, partant du utricule, du saccule et de chacun des canaux semi-circulaires pour fabriquer ce qu'on appelle le nerf vestibulaire, lequel a un ganglion à un certain niveau, un ganglion scarpa, et ceci va se prolonger par la suite pour donner des noyaux vestibulaires. Ces noyaux vestibulaires sont au nombre de 4. Et grâce à des nerfs qui vont partir de ces niveaux, et je dois bien signaler que ces 4 noyaux opèrent très exactement comme un cerveau primitif, c'est un vrai cerveau. Grâce à des nerfs, mainmise va être faite sur tous les muscles du corps, sans exception. Il n'y a pas un muscle qui ne va bénéficier, à un moment donné, d'une commande venant du vestibule. Autrement dit, chaque fois que je vais être obligé de prendre n'importe quelle posture, ou d'équilibre ou autre, grâce au jeu des deux labyrinthes, eh bien, je vais avoir une information envoyée à mes muscles et je vais prendre la posture bien définie. Sans entrer dans les détails, qui serait peut-être un peu trop long, chaque muscle, bien sûr, envoie l'information de sa position pour dire où il en est. Ça retourne à un certain niveau dans un relais qui va être un peu plus haut. Ce relais est au niveau d'une partie du cervelet. Mais le cervelet lui-même est informé par un des noyaux du vestibule qui va donner, à un moment donné, une transmission
pour savoir aussi collecter ces informations et les renvoyer au vestibule. Il y a donc à tout moment un jeu du vestibule qui sait tout ce qui se passe. Et il joue des deux côtés, il y a une sorte de connexion, connexion qui va se faire parce qu'un des noyaux, qui est celui-ci le plus interne, qui est le noyau de Roller, celui que nous avons dessiné ici est le noyau de Dieters, je ne rentre pas en trop de détails, celui-ci va de l'autre côté et va pouvoir innerver le muscle de l'autre côté pour pouvoir donner, à un moment donné, un équilibre. Autrement dit, chaque nerf, chaque commande, tout ce que nous voulons faire, a à un moment donné la possibilité de le réagir, de le faire, même sur la fonction de notre volonté, parce que tout est apprêté par un labyrinthe qui met tout en fonction. Si vous voulez, le labyrinthe organise tout le moteur, et notre volonté, grâce à un faisceau qu'on appelle le faisceau pyramidal, eh bien, c'est le conducteur. C'est de l'oreille encore, et du tympan plus précisément, que parle un des rameaux du nerf sympathique, nerf qui va contrôler les fonctions du système neurovégétatif, respiration ou digestion. Elle est sourde dans ces conditions. Eh bien, les sourds ne sont pas aussi démunis que l'on croit. C'est une question aussi qui vient toujours à l'esprit. Il est vrai, mais les sourds ont le vestibule qui marche très fort, et ce qui leur manque, c'est la cochlée, ou une cochlée qui ne répond pas dans toute la totalité de la bande passante normale. Mais être sourd profond, c'est déjà très rare, mais à ne pas avoir de labyrinthe en totalité, c'est exceptionnel. S'il n'y avait pas d'oreille du tout, d'oreille interne, l'être est réduit à un paquet de chiffons, à un état neurovégétatif sans réaction. L'embryon entend dès l'âge de 4 mois et demi. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le reconnaître. L'univers sonore dans lequel il est plongé est extraordinairement riche en fréquences de toutes sortes. Tout d'abord des clapotis, les bruits viscéraux de sa mère, ceux de la digestion. Le rythme de la respiration de sa mère. Ses battements cardiaques. Ces bruits sont associés. Ce sont les rythmes primitifs qui s'impriment en nous pour toute notre existence. Dans ce contexte sonore, vient s'apposer un bruit aigu, plus lointain et complexe, exprimant des sentiments, provoquant des sensations. Un bruit vers lequel le fœtus tend l'oreille, la voix maternelle. Lorsque vient le moment de la naissance, l'eau dans laquelle baigne l'embryon disparaît d'un seul coup. Pour lui, un premier décodage sonore va s'amorcer. Des sons plus graves, plus diversifiés, lui parviennent progressivement. Au fur et à mesure que sa tête s'engage, qu'il se rapproche de l'ouverture, il entend des sonorités nouvelles. Il perçoit la respiration haletante de sa mère, le bruit des instruments. Sa tête se dégage. Son premier cri. Il vient d'entendre sa propre voix pour la première fois. Mais il l'aperçoit d'une certaine manière, car il reste du liquide amniotique dans son oreille, qui est toujours accordé aux fréquences liquidiennes.
Mais très vite, le son perd de sa richesse, car l'oreille externe se vide déjà et on ne s'habitue pas en quelques secondes à l'écoute aérienne. Il entend encore sa propre voix qui peu à peu va s'étouffer elle aussi. Et là, durant des jours, l'enfant va entrer dans un silence difficile. Il est assailli par les bruits de son propre corps, ceux de sa respiration haletante, de sa digestion douloureuse, de sa vie végétative. Il est coupé de l'environnement, centré sur lui-même, sur son souci de vivre. Peu à peu, cependant, dans le lointain, des sons lui parviennent à nouveau. C'est que son oreille commence à s'ouvrir. Mais il en perçoit surtout maintenant les fréquences graves. Une voix qu'il reconnaît, tant dans l'oreille vers cette voix comme autrefois dans sa nuit fœtale, l'enfant va devoir peu à peu réapprendre à entendre. Car on était près de Noël. Cet apprentissage va durer des semaines, des mois, des années, jusqu'à ce que soit renoué, à travers l'air environnant, le contact qu'il avait naguère avec la voix maternelle lorsqu'il se trouvait au sein de l'univers intra-utérin. Comment avez-vous découvert que le fœtus humain entend ? J'étais introduit surtout dans cette idée-là par deux voies. Premièrement sur un écrit qui m'avait stupéfait quand j'étais étudiant, d'un auteur anglais qui s'appelle Negus, qui prétendait que les œufs d'oiseaux chanteurs, couvés par des oiseaux non chanteurs, finissaient par ne pas chanter à la sortie. Et j'ai toujours voulu faire l'expérience, et j'avais ni les œufs, ni les oiseaux, ni le temps de le faire, en définitive. Une deuxième voie, c'est que, guérissant des enfants qui avaient des troubles scolaires, et en changeant leur audition, j'avais la chance d'avoir des échecs. Les échecs ont toujours avancé. Et là, je me suis rendu compte très rapidement que je tendais à faire que les enfants entendent comme s'ils avaient 5 à 7 ans. Et je me suis demandé pourquoi pas 4 ans, et pourquoi pas 3 ans, et pourquoi pas... Donc je cherchais toujours la manière d'écouter d'un enfant plus jeune, ou d'entendre un enfant plus jeune. Et je suis arrivé comme ça jusqu'à savoir comment le nourrisson entendait, en prenant son cri, en analysant, en pensant qu'il était le premier à injecter dans son oreille cette première information et peut-être à la contrôler. C'est vrai que très rapidement, le nourrisson contrôle sa voix. Et puis, j'étais donc arrivé aux portes du démarrage, et pourquoi pas le fœtus, comme les œufs. Et si bien que l'idée m'est venue de savoir, d'essayer de savoir ce qu'entendait un fœtus dans l'utérus, et j'ai plongé des microphones, des écouteurs dans l'eau, et j'ai essayé de voir ce qui se passait. Vicky, le chien, les abeilles. Voici la reconstitution de la première expérience du professeur Tomatis. Aujourd'hui, cette installation est remplacée par du matériel électronique. Un enregistrement de la voix maternelle passe dans un magnétophone. Cette voix maternelle, rappelons-le, est la seule voix que le fœtus entend de l'intérieur en quelque sorte, puisqu'elle lui est directement transmise par la colonne vertébrale de sa mère. Ce vase plein d'eau représente donc la poche de liquide amniotique, qui n'est autre que de l'eau salée contenant le fœtus. Un haut-parleur est plongé dans l'eau. En face de l'émetteur se trouve un microphone qui capte l'émission diffusée dans la couche d'eau. Cette voix, amplifiée, modulée, va passer à travers un appareil d'analyse des sons, permettant d'observer quel type de fréquence, aiguë ou grave, passe à travers la couche d'eau. Ça n'est pas tellement important de savoir ce qui peut passer en totalité. Si on s'amuse à faire l'analyse de l'information qui passe, on va se rendre compte, en regardant bien sur l'analyseur, qu'il y a, à un moment donné, des fréquences qui passent un peu à tous les niveaux. Il y a des graves. On va les retrouver tout de suite sur le vieux cathodique. Les graves étant ici, les aigus étant par là. Voilà les graves qui passent, la petite émacille. Et ceci après déjà les couches d'eau, donc, c'est facile. Si on laisse aller, nous allons voir qu'à un moment donné, il va nous rester des aigus. Encore, et ce qui nous intéresse, c'est d'étudier cette gerbe aiguë. En filtrant progressivement les graves, le professeur Tomatis fait la preuve que des sons aigus passent à travers l'eau, ce qui est parfois contesté. Pourquoi cet intérêt pour les aigus ? Parce que pour lui, l'écoute intra-utérine n'est pas une simple question de transmission des sons. L'oreille de l'embryon, contrairement à la nôtre, est totalement remplie de liquide.
et cela lui permet de jouer en elle-même un rôle de filtre qui privilégie les sons aigus. Depuis près de 30 ans, le professeur Tomatis a observé à chaque fois les réactions spectaculaires des gens qui réécoutent la voix de leur mère filtrée dans les aigus. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir, dans tous ces sons, quand cet univers utérin sonore, ce qu'entendait le fœtus. Quelles sont les preuves du résultat que nous avons obtenu? C'est par la clinique. Lorsque nous passons ces sons-là, immédiatement, il se passe en profondeur des choses extraordinaires. L'enfant s'éveille, s'allume, veut grandir, veut parler, veut entrer dans une dynamique de relation avec la mère, alors que tous les sons que nous passons autrement l'endorment, et ce n'est pas ce que nous cherchons encore une fois. Nous voulons réveiller le désir de la communication. Mais pourquoi est-ce que les sons aigus provoquent de l'énergie, donnent de l'énergie à l'enfant et au fœtus? Eh bien, si on regarde comment anatomiquement est faite l'oreille, on se rend compte que la plage et que nous aspergent les aigus est justement la plage qui attaque le plus de cellules nerveuses. Et cette plage-là répond à un nombre incalculable de cellules par rapport à la plage des graves. Il y a quelques dizaines de cellules, pour tout dire, dans les graves, alors qu'il y en a 24 000 dans la période des aigus à partir de 4 000 Hz. Eh bien, plus on attaque ces zones qui sont très sensibles, plus par étage d'amplification au niveau du cerveau, on a la chance d'avoir des stimulations. Donc de l'énergie. Donc de l'énergie. Et en plus, pour attaquer ces 24 000 cellules, la tête est obligée de prendre une position spatiale qui fait que le vestibule, ce n'est qu'à la fois le vestibule et la cochlée étant celle, la partie qui fait entendre, le vestibule, c'est qui donne la position dans l'espace, eh bien, le vestibule est obligé de se mettre en horizontalité. Le sacule en verticalité, ce sont les postures qui donnent le plus de stimulation à ces niveaux-là. C'est bien que là, on a également une grosse stimulation cérébrale. Donc c'est la raison pour laquelle, si on envoie des aigus, on voit la personne se redresser. Et prendre sa posture, à un moment donné, d'écoute, et non pas cette posture qui est celle du tube digestif qui a envie de manger, comme beaucoup de gens représentent encore. Il y a toujours la posture du nourrisson qui est là, la bouche passe de simplement sa face orale digestive à la face de la parole, qui est une autre phase. Et ce qui est important aussi, c'est que dès que le vestibule a pris cette posture idéale, le corps prend sa verticalité, puisque nous jouons en même temps par les contractions des nerfs sur toute la musculature, et on assure une verticalité. C'est non seulement une mise en place du gyroscope vestibulaire par le sextant, qui est de la cochlée, mais également une posture de tout le corps. Et pour que le langage soit beau, il faut que la colonne vertébrale soit strictement verticale et les deux omoplates, les deux clavicules strictement horizontales. Si les sons, qu'ils soient graves ou aigus, influencent la posture, cette posture à son tour va influencer la voix et l'écoute, positivement ou négativement. On faisait aussi le dîner, de temps en temps, on allait à la cuisine, on faisait la vaisselle. C'était pas mal. Je pars chaque année à Fribourg avec des jeunes puis des moins jeunes. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Tout le monde y va, toute ma famille. Ouais. On est toute la Suisse. Alors, c'est une unité chaque année. La sonorité de la voix est importante non seulement pour se faire écouter, mais aussi parce que notre propre voix est l'un de nos premiers éléments de recharge sonique. Là, tu pousses, tu essaies d'enlever ma main. Là. Voilà. Allez, plus fort, il faut que tu grandisses. Mets tes deux pieds un peu par terre. Fais-toi plus grand, beaucoup plus grand. Allez, grandis encore. En se tenant tout simplement plus droit, ce jeune homme va retrouver une voix plus ferme et un débit plus rapide. Écoutez-le. Qu'est-ce que tu aimerais nous raconter, là? Ben, l'automne passé, on a refait la villa où j'habite, à Tronay. Et puis on travaillait seulement le samedi, autrement c'était dur. Là. On travaillait durant la semaine. C'était très chouette, c'était des Portugais qui nous poussaient au travail pour activer la maison. Oui, et comment ça se passait ça? Ben nous on remuait le mortier, ils faisaient les façades, tout de fini. Ils ont fait la peinture, on a remis les poutres apparentes qu'on n'avait pas avant. On a supprimé deux pièces. L'originalité du professeur Tomatis est de proposer une cure qui permet de rétablir l'écoute
et de pallier par là même aux différents troubles de la communication. Sonia a subi 3 cures de 3 semaines au centre Automatis à Paris. Très bien, Sonia. Ah là là. Bonjour. Bonjour. How many do you do today? Many what? Seances do you do today? Seances? Yes, okay. How many? Donna. Oui, oui, tu sais. Seances. You're doing 8, aren't you? I took Sonia here first last August. J'ai amené Sonia ici pour la première fois en août de l'année dernière. Avant de venir, elle était considérée comme très autistique. Elle fréquentait une école pour enfants arriérés. Elle ne manifestait aucun sentiment. Elle essayait de s'isoler, jouant avec de petites choses d'une manière très répétitive. Après notre venue, elle rechercha ma compagnie. Elle désirait rester avec moi, ce qui était une grande joie pour moi après 6 ans d'attente. La chose que j'ai remarquée, et que l'école a remarquée aussi, était ses progrès de langage. Elle a été testée après 3 mois. Et elle avait progressé de 14 mois selon les tests vocabulaires de base. Une autre chose que j'ai remarquée sur le plan de l'intégration avec les enfants, elle joue plus avec eux, elle désire plus être avec eux, et elle a passé de l'école pour enfants retardés à une école normale. Playing more with them, wanting to play with them, and she progressed from a school for retarded children to a normal school. Elle se tenait très mal, le dos très voûté, et maintenant, elle s'assoit bien droite. Tout le monde a remarqué que la plupart du temps, elle se tient droite. Elle marche mieux, elle saute très haut avec le trampolino, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Elle court plus vite et a beaucoup amélioré son équilibre. Oh, I haven't had Yes, Sonia. What do you say? What do you say? You'll see. Yes. I must not give it to my class. Yes, you must. Run. Run, I must not give it. Yes, run. Goodbye. I must give it. Yes. Merci. Au revoir, Sonia. Au revoir. C'est en réécoutant la voix de sa mère filtrée que Sonia, qui refusait tout contact avec le monde, a rejoint les autres, et cela en moins d'une année. C'est une aventure spectaculaire, mais qui est loin d'être unique parmi les patients du professeur Automatis. Pour lui, la voix maternelle comporte un impact psychologique énorme. Elle représente une nourriture sonore qui donne au fœtus un sentiment de sécurité. Elle transmet à l'enfant le désir de vivre, celui de communiquer. Mais cela ne suffit pas. L'oreille ne fonctionne pas comme un simple récepteur. Elle est liée au cerveau, donc au psychisme, par des mécanismes subtils. Lorsque nous entendons, le son passe par le tympan, que l'on peut comparer à la membrane d'un tambour. Elle se tend ou se détend suivant l'intensité des sons, et cela sous l'action du muscle du marteau, un osselet planté dans le tympan. Plus le son est faible, plus le muscle du marteau tend le tympan pour qu'il vibre mieux. Plus le son est fort, plus la membrane est détendue pour protéger l'oreille. À partir du tympan, selon le professeur Automatis, le son est transmis à travers notre boîte crânienne et fait vibrer le labyrinthe osseux dans sa totalité. Cette vibration met en mouvement les liquides qui sont à l'intérieur du labyrinthe et qui vont permettre l'analyse des sons. Mais ce labyrinthe n'est pas totalement fermé, il comporte un orifice et c'est là-dessus que va s'appuyer l'étrier qui, avec son muscle, forme un deuxième système de régulation des sons. Par un jeu de pression, suivant les besoins, il apaise ou amplifie les mouvements liquidiens, permettant ainsi une analyse optimale des sons. Mais il arrive que ces deux mécanismes d'adaptation des sons, soit cette musculature de l'oreille moyenne, soient utilisés d'une façon inconsciente comme mécanisme de défense. Une défense non pas contre des sons trop violents qui pourraient endommager l'oreille interne, mais tout simplement pour se protéger de sonorités, de voix ou de propos que le sujet ressent comme une agression psychologique. On peut ainsi, sans se boucher les oreilles, refuser d'entendre quiconque nous dérange, nous inquiète ou nous ennuie. Le risque que cela comporte, c'est d'en prendre l'habitude.
ce qui se traduit sur un plan moteur par un relâchement des deux muscles permettant ce réglage des sons. L'oreille, perdant ainsi son pouvoir d'accommodation, va engendrer toutes sortes de troubles au niveau de la communication et devenir parfois un écran masquant ou déformant la réalité extérieure, isolant ainsi le sujet. Mais une oreille peut être rééduquée à n'importe quel âge. Pour cela, le professeur Tomatis a mis au point un appareil nommé oreille électronique et qui est en fait un simulateur d'oreille. Son travail consiste tout d'abord à remuscler cette oreille moyenne, chargée d'adapter les sons, rééduquant ainsi l'écoute. Progressivement aussi, l'oreille électronique réoriente l'écoute directrice par l'oreille droite. La cure est associée généralement à une autre approche purement psychologique. Le professeur Tomatis travaille depuis longtemps avec des psychologues et des psychiatres. Lorsqu'il a réalisé à quel point l'écoute est subjective, il a lui-même acquis une formation dans ce domaine, tout en restant otorhino-laryngologue. Enfin, les bandes que l'on fait entendre sont riches en sonorités aiguës, destinées à énergétiser le patient qui, grâce à cette rééducation, va progressivement accepter la cure. La chance pour nous, c'est de pouvoir utiliser la voix de la mère. Nous pouvons le faire. Rien ne remplace la voix de la mère. Elle a un impact que rien ne peut apporter. Même si la mère a été rejetante, même si la mère est difficile, nous savons écumer ce qui est mauvais, si je puis dire, pour trouver ce feeling de fond, cette sorte de liaison amoureuse entre la mère et son fœtus, et ce côté maternel, si je puis dire, qui existe en toute femme. Et il est bien évident que si nous avions la chance d'avoir une mère idéale, ça nous arrangerait bien, mais quelle est-elle? C'est difficile de déterminer. Si nous n'avons pas la mère, et de toute façon après la mère, nous passons à des musiques. Et toutes les musiques n'ont pas la même valeur, ni même le même impact non plus. C'est toujours Mozart qui nous donne le plus de résultats, quelles que soient les musiques que nous essayons. Pourquoi ? Mozart, pourquoi ? C'est une question que je me pose tout le temps, qui revient. Mais plus j'avance, plus j'ai la certitude que nous avons la chance d'avoir en Mozart un être qui a eu une naissance et un vécu, un intra-utérin fantastique dans une mère imbibée elle-même dans la musique, une mère qui avait l'air d'être heureuse, sans problème, disons. Et sa naissance ensuite a été impliquée dans un milieu musical et son système nerveux, pour nous, a eu la chance d'être codé dès le départ et dans un bain musical, rythmique. Et au fond, Mozart ensuite restera toujours codé à ce niveau-là et toute sa production, puisqu'il commence à produire dès l'âge de 3 ans et demi, ses premières notations sont dès l'âge de 4, 5, 6 ans, eh bien c'est qu'il a d'emblée imprimé son système nerveux et il restera cette sorte de communication avec la musique, mais avec un grand thème et non pas les musiques. Il semble être vraiment branché sur ce que l'univers peut chanter. Et sa sécrétion permanente, toute sa vie, restera cette musique de jeune, impliquant des rythmes d'ailleurs beaucoup plus rapides sur le plan cardiaque. Quand on passe du Mozart, on voit qu'il y a accélération, et effectivement, il était tachycardique comme le nourrisson. Peut-être avait-il codé son système nerveux à avoir les mêmes réponses. Et quand on passe du Mozart, le sujet rentre dans une créativité absolument extraordinaire. Il a envie de produire, de dessiner, d'écrire. Il se met en posture assise, mais de verticalité, comme s'il était au piano. Et une fois que nous avons utilisé ces musiques, que ce stade est passé, ces musiques filtrées, et nous les faisons entendre toujours comme si le sujet les entendait en voix intra-utérine. Donc on fait un Mozart intra-utérin. Et puis, à la sortie, puisqu'un jour la naissance va se faire, et quand nous voyons par les dessins, par la clinique, par tout ce qui se passe, on pense que le moment est opportun d'accoucher. Toujours est-il qu'à ce moment-là, nous faisons ce qu'ils appellent l'accouchement sonique, c'est-à-dire qu'on définit peu à peu pour passer de l'audition intra-utérine à l'audition qui se trouve aérienne. Et des changements dits d'impédance, c'est-à-dire de résistivité de l'air, il y a autre chose qui joue, et c'est là le jeu de l'oreille moyenne qui commence à se faire. Et nous utilisons aussi ou la voix de la mère, si nous estimons que la voix de la mère est bonne, et sans quoi nous passons sur de la musique toujours Mozart. Et une fois que Mozart est intégré, nous allons dans une autre après qui s'appelle pour nous le pré-langage, en commençant par des chants. Et le meilleur, celui qui nous donne le plus de qualité pour atteindre des verticalités, c'est toujours le chant grégorien. Si on regarde bien ce qu'est le grégorien, c'est l'association de deux rythmes physiologiques. L'un qui est celui de la respiration la plus longue possible, et l'autre d'un battement cardiaque
le plus lent possible. En homme pré-langage, les premiers balbutiements à travers lesquels l'enfant s'exprime, généralement avant l'âge de la marche, c'est-à-dire avant qu'il ait atteint réellement le stade de la verticalité. Si c'est là un moment très gratifiant pour les parents, cela représente pour l'enfant un passage important durant lequel il élabore son langage. À ce moment-là, selon le professeur Tomatis, si la mère est impliquée affectivement, le père, lui, va intervenir au niveau même de la structure linguistique. Voilà. Hop. Oui. Hop. Déjà. Au lit. Ou la sieste. Faire le dos. Je pense que le réel plaisir que nous ayons, c'est d'être des éléments de communion, de communication, ce qui est le même mot. Et cette communion se fait d'abord avec la mère, une sorte de jeu sonique avec elle, et d'un langage qui n'est fait que pour elle. Papa, pipi, popo, à valeur sémantique colossale, n'est fait que pour elle. Et puis un jour, il faudra rencontrer la société, et à travers, justement, ces pré-langages, toutes ces préparations qui se font, c'est le père que nous allons rencontrer. Et là, malheureusement, je crois que l'éducation qui nous apprend tout, l'université de A à Z, à n'importe quel niveau de A à Z, mais jamais à être père ni mère, elle nous montre ce que l'enfant désire que le père soit. Le père est le logos, en réalité, il est le langage, en réalité, il est la loi. Il est, ça ne veut pas dire grondé, ça veut dire expliciter ce que sont les hommes. Et le père est le premier pédagogue, il est celui qui doit tout apporter. Le père est vu par l'enfant comme l'image solaire, c'est la joie de vivre, c'est la dynamique de la vie qu'a donnée la mère donne une vie statique qui maintient et qui est là. Et si le père ne vient pas avec l'éclatement et le rayonnement qu'il peut avoir, l'enfant se croira pris dans les raies de la mère et va en vouloir presque à la mère de ne pas pouvoir prendre son envol. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller vers les autres. Il ne pourra pas aller vers son devenir, et donc les autres, il ne pourra pas, à un moment donné, le père est ce pont jeté, pont-levis qui permet de partir de la forteresse qu'est la mère vers l'univers extérieur. Alors les mères ont peut-être un peu peur, puis la psychologie actuellement le laisse croire, que si jamais le père prend l'enfant, la mère le perd, ou que si la société prend l'enfant, la mère le perd, et en plus on les a mis comme crainte, la coupure du cordon ombilical est quelque chose de phénoménal, et maintenant on ne peut pas devenir si on n'a pas coupé ce cordon. Eh bien, un cordon ombilical ne se coupe jamais. On ne peut pas le faire, car la mère est le symbole de vie. Si on coupe avec la mère, on coupe avec la vie. Si on coupe avec le père, on n'a pas de limite d'envol, donc on reste sur place. Le père représente la clé du langage. Et si en quelque sorte on chante avec son oreille, ainsi que nous l'avons vu, on parle également avec son oreille, c'est-à-dire que l'on n'exprime jamais que ce que l'on a préalablement entendu.
En repassant par les différents stades du développement de l'écoute, on voit surgir parallèlement les paliers successifs de l'apparition du langage chez des enfants qui ne parlaient pas encore. Oui, tu as raison, oui. Oui, c'est beau, disons. C'est du discours. Oui, quoi? Paca. Paca, c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tu as raison. C'est beau ce que tu me racontes, dis donc. C'est très beau. Et t'as tout ce qu'elle est à faire. Ainsi, par l'oreille, peut-on toucher tous les troubles de langage, légers ou importants, de communication, de concentration, ou agir sur des états dépressifs. Je les laisse tomber. Il y en a combien? Tu les comptes? Un, deux, trois, quatre. Naître, selon le professeur Tomatis, c'est passer d'un environnement limité par les parois utérines à un milieu aux limites infiniment plus reculées. D'une certaine façon, on ne quitte jamais le milieu maternel. On lui donne seulement d'autres dimensions. Les parois utérines vont s'agrandir jusqu'aux limites du berceau, de la chambre, de la famille, du quartier, de la planète et ainsi de suite. Il en va de même pour l'oreille. Tout son travail va être de retrouver ce petit bruit aigu rappelant le nirvana fœtal et qui est la voix maternelle. L'adulte, grâce à une activité d'accommodation permanente donnée par la musculature de l'oreille interne, doit, sa vie durant, tendre à privilégier l'écoute des sons aigus. L'oreille retrouvera ainsi, dans sa vie aérienne, son potentiel de recharge énergétique grâce aux sons aigus, de contrôle constant de la posture et de l'équilibre, ses possibilités de concentration. Elle va permettre cette fonction d'écoute subtile de l'autre, en dehors même du langage, et peut-être même cette faculté de l'être humain, à travers la musique ou la science, d'écoute de l'univers. Thank you.